never mind, things are good again. Took the time in my life to figure it out. And I won't let, I can't let real life bring me down, down, down. Cause I could run across the Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur les cheveux. Donc en fait je voulais faire ma routine capillaire comme vous me demandez beaucoup. Mais comme vous le savez, moi les cheveux c'est quelque chose que c'est une obsession, j'ai envie de dire. J'adore tester les produits capillaires et c'est vrai que je trouve que c'est important d'avoir de beaux cheveux. Donc je suis pas très représentative de ce que je dis parce que mes cheveux sont en train de mourir. Mais voilà, je trouve que avoir la bonne coupe de cheveux, la bonne couleur, avoir la bonne qualité de cheveux, ça peut vraiment changer une personne. Et les cheveux, voilà, c'est un peu une obsession. Et c'est vrai que j'aime bien tester les produits capillaires. Je kiffe ça. Donc j'ai beaucoup de produits, c'est ça que j'essaye de dire. Donc du coup, je fais aussi beaucoup de choses à mes cheveux. Donc une vidéo, il y en a eu pour 2 heures, quoi. Là, je vous aurais fait même une trilogie. Donc voilà, j'ai voulu donc faire ça en plusieurs parties. Donc là, je commence par la première partie qui va être sur mes 10 produits coiffants préférés du moment. Je précise du moment parce que ça peut vite changer avec moi. Mais en ce moment, c'est les produits que j'aime bien utiliser. Donc oui, il y en a 10. Ça fait beaucoup, je sais. Mais bon, je vais vous montrer un peu ce que c'est. Et par la suite, je vous ferai une vidéo sur ma routine capillaire dans le sens mes shampoings, pré-shampoings, masques, les huiles que j'utilise, etc. Et la troisième partie sera sur comment entretenir les cheveux blonds. Donc ce sera des produits que j'utilise de temps en temps pour entretenir le blond que j'ai dans mes cheveux. Donc ça va se passer en 3 phases. Donc là ça va être la première phase. Et je vous ferai aussi quelques tutos coiffure par la suite. Pas des trucs de ouf hein, mais j'ai envie de commencer un peu des tutos coiffure sur ma chaîne. Et donc j'espère que ça vous plaira. Donc là j'ai vite passé au sujet parce que sinon on a encore pour très très longtemps. Donc je vais commencer par le produit number 1. Donc c'est un produit qui est connu, mais moi j'ai la version coconut. Donc c'est le Unique One de chez Revlon, qui se présente comme ceci. Vous voyez, je le présente à la verticale. Voilà. Donc c'est un produit qui est inspiré du It's a 10, pour celles qui connaissent, qui regardent les chaînes étrangères. C'est un produit qui fait 10 choses. Donc le Unique One, je vais dire un petit peu sa présentation. Donc c'est un soin qui apporte 10 bienfaits réels à vos cheveux et les rend visiblement plus forts et plus beaux. Laissez-vous séduire par son irrésistible arôme noix de coco, un parfum délicieux qui vous procurera une sensation de bien-être durable. Donc les 10 bienfaits réels, c'est qu'il répare les cheveux secs et abîmés, il illumine et discipline les frisottis, protège de la chaleur, assouplit et adoucit, donc protection des cheveux colorés avec des filtres UV et UVB, facilite le séchage et le lissage, démêle efficacement, prolonge le coiffage, évite les fourches et texturise. Rien que ça quoi. Donc voilà. Donc ils disent qu'en quoi il faut vaporiser sur cheveux humides et donc ne pas rincer bien évidemment. Donc c'est une bouteille de 150 ml qui coûte... Après ça dépend où vous l'achetez. Moi je vais vous mettre... je vous dirai où je me suis procuré les produits et à peu près à quel prix si je m'en souviens. Ça je l'ai eu grâce à Mastercoiff. Donc sur leur site il est qu'à 12 €. Si jamais vous allez en salon ou autre, ça sera bien plus cher. Donc je vous conseille de passer par internet. Donc j'aime beaucoup ce produit en ce moment. C'est le produit que j'utilise quand j'ai pas le temps, quand je suis pressée, que je peux pas mettre 10 000 choses sur mes cheveux. J'en prends, je vaporise, je les sèche à l'air libre. Mais si j'ai besoin de les coiffer, de les boucler ou autre, après je fais ça. Et j'aime beaucoup parce qu'en ce moment, le ombre air a vachement fragilisé mes cheveux. Ils sont très secs. Et ils ont vraiment besoin de quelque chose de costaud. Et c'est pour ça que j'ai choisi la version coconut. Après, je la recommande vraiment pour ceux qui ont les cheveux abîmés et secs. Si jamais vous avez les cheveux plutôt normaux, je vous conseille la première version, c'est la bouteille rouge, l'original, qui est beaucoup plus légère. Ça, c'est quand même très concentré en soin. C'est la noix de coco, ça sent divinement bon la noix de coco. Enfin, moi, j'adore cette odeur-là, vous le savez très bien. Donc,
Moi, c'est juste un plaisir et j'aime beaucoup. Par contre, alors, faut pas en mettre trop. Moi, c'est vrai que le premier Unique One, vous pouvez en mettre une tonne, il n'y a pas de souci. Avec celui-là, faut vraiment, voilà, faut bien vaporiser. Vous allez un peu loin, vous vaporisez comme ça, vous faites quelques petites, mais pas trop, sinon vous pouvez. Ça fait pas gras, mais je sais pas comment vous expliquer. Quand vous passez la main sur vos cheveux, après vous sentez quelque chose sur vos. Enfin, ça fait. Vous sentez de la matière sur vos mains en fait. Et c'est pas très agréable. Donc faut vraiment aller mollo quand même. C'est un très bon produit. Ça fait pas très très longtemps non plus que j'utilise. Donc il faudra voir à long terme si vraiment il a des effets au niveau du soin. Mais en tout cas. Ce que je constate à l'instant que j'utilise, c'est qu'il rend les cheveux beaucoup plus doux et beaucoup plus facile à coiffer. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de spray protecteur, de sérum, etc. Vous mettez ça, ça fait tout à la fois. Donc je trouve ça super pratique quand on n'a pas le temps. Donc le Uniqua Coconut. Donc là, je vais vous parler d'un produit aussi que j'ai eu grâce à Mastercoiff. Donc c'est le Curlesque. Donc c'est la collection Curlesque. C'est le Curl Rock Ampli. Amplifier. Donc c'est un produit, donc comme son nom indique, pour les boucles. Donc je vais vous dire sa présentation. Ça va être très simple parce que je vois qu'il y a une phrase. Donc c'est une crème bouclante qui apporte définition et séparation aux boucles tout en apportant volume, texture et brillance. La vitamine B5 soigne et répare le cheveu, s'utilise sur cheveux humides. Donc vous avez une contenance de 150 ml qui coûte 15,60 €. Donc ça c'est de la marque TG, donc dans la gamme Catwalk, et c'est le Curl Rock Amplifié. Donc cette crème bouclante, ils disent que vous pouvez l'utiliser sur cheveux humides, et c'est vrai que c'est là où c'est le plus efficace. Donc vous lavez les cheveux, etc., vous laissez vos cheveux un peu sécher, vous prenez en fait du produit sur vos mains, et vous scrunchez comme ça vos cheveux. Et alors ça vous définit les boucles, mais trop trop bien quoi. Ça fait vraiment comme si vous avez, je sais pas, vous avez mis de l'attention en fait sur vos cheveux, alors qu'en fait vous avez juste crunché et laissé sécher quoi. Mais on dirait que vous avez fait un petit effort, voilà. Alors qu'en fait pas du tout. Donc ça fait vraiment, ça définit vraiment très très bien les boucles. C'est vraiment, je sais pas comment vous dire, ça fait naturel et ça fait pas gras. Et je sais pas, c'est vraiment un produit que je vous recommande pour celles qui ont les cheveux bouclés, pour celles qui ont les cheveux ondulés. Franchement, ça définit vachement bien les boucles. Ça fait vraiment très très joli, très facile à appliquer. Et moi, je l'utilise aussi sur cheveux secs. C'est-à-dire, je fais mes boucles, j'en prends un petit peu et je viens scruncher aussi un peu mes cheveux. Plusieurs jours après, j'ai vraiment de très belles boucles bien définies. Mais c'est vrai que le plus efficace, c'est quand vous l'utilisez sur cheveux humides. Mais franchement, je suis très très bluffé par ce produit là et c'est vraiment, je pense, devenir un indispensable dans mes produits coiffants, parce que franchement c'est vraiment génial. C'est moi, mes cheveux, si je les laisse sécher naturellement, alors si je me les brosse pas, c'est à dire que je me brosse pas du tout, ils vont être ondulés et ça passe. Mais si jamais je les brosse pour bien enlever les nœuds, ben en fait à certains endroits ça va être lisse, à certains endroits ça va être ondulé chelouement, enfin c'est pas très joli. Et ça me permet vraiment d'avoir de très belles ondulations et même de très belles boucles en fait, hein. Enfin, et puis très rapide, très efficace. Franchement, je vous recommande ce produit là, c'est devenu un must-have pour moi. J'aime vraiment beaucoup. Là, je vais vous parler en fait de deux produits, donc de deux produits un peu similaires, mais ils ont une petite différence, mais très légère. Donc, ça, c'est le TG, donc toujours de la gamme Catwalk, c'est le Session, c'est de la gamme Session Série, et c'est le spray au sel, le Sea Salt, spray salt. Donc je vais vous lire la présentation. Donc pour donner de la texture et obtenir une tenue légère et malléable. Donc ajout de la définition, apporte texture et corps, tenue flexible et contrôlée, légèreté, combat l'humidité. Et ça, en cette période, c'est très important. Ondulation, texturisée, effet plage, dégradé, décoiffé, natte bohémienne. Il faut faire des nattes bohémiennes avec. Donc ça, ces produits-là sont très connus. Les sprays au sel sont traduits en français. Mais celui-là, j'aime beaucoup parce que c'est pas... Ça fait... Je sais pas comment vous dire. Ça fait moins plage, en fait. Ça fait plus... Voilà, ça donne de la texture à vos cheveux. Moi, j'aime pas les... Je sais pas si vous regardez ma chaîne, vous avez remarqué, j'ai très rarement les cheveux tout raides. Moi, les cheveux tout raides, comme ça, je trouve que ça fait un peu... Comme si on n'avait pas de coupe, en fait. Enfin, sur moi, je trouve que ça fait comme si j'avais pas de coupe. Et je sais pas, j'aime bien quand il y a du volume, j'aime bien quand il y a des bouts, j'aime bien quand il y a de la texture aux cheveux. Et ça, j'adore. C'est très, très simple. Vous prenez, vous secouez,
Vous agitez comme ça. En plus, ça sent bon. Ça sent bon, mais c'est une odeur assez légère. Bah, or, moi, je scrunch tous les produits, vous allez remarquer. En fait, je scrunch comme ça. Et en fait, bon, après, ça va sécher. Au bout d'un moment, ça va donner de la texture et du volume aux cheveux. Et c'est vrai que ça, contre l'humidité, c'est vraiment génial. Moi, généralement, j'ai les cheveux donc, qui gonflent avec l'humidité. Et avec ça, pas du tout. Ça sent super bon en plus. Et c'est vrai que ça apporte du volume, mais pas volume. Vous avez des sprays au sel qui apportent du volume, mais un peu trop de volume, tu vois. On veut un effet plage, mais un effet plage civilisé, hein, qu'on peut mettre en ville, voilà. Pas un effet plage vraiment Jackson 5, quoi. Et ça, j'aime bien parce que ça apporte du volume, mais pas trop non plus, tu vois. C'est vraiment bien dosé. Puis c'est vraiment, ça combat vraiment l'humidité, les frisottis. Ça permet vraiment à la coupe que vous avez, en fait, de garder. Que vous avez lissé, vous avez mis un peu de... Que vous avez fait des boucles, des ondulations, quoi que ce soit. Ça permet vraiment à la tenue de durer dans la journée. Ça sent super bon. En plus, c'est quand même une grande contenance. Vous avez 270 ml. Je ne sais pas si vous avez vu, la bouteille est plus grande que ma tête. Mais vraiment, ce produit-là, il est vraiment, vraiment, vraiment génial. Ça, je vous recommande, mais vraiment, quoi. Enfin, après, ça dépend du style de coiffure que vous aimez. Mais si vous aimez bien comme moi, vous, que vos cheveux ont de la texture, ont du volume, etc., c'est vraiment un très bon produit. Et le deuxième produit, je vous disais que c'est un peu la même chose. C'est aussi un spray au sel. Donc là, cette fois-ci, c'est de la gamme... Enfin, c'est de la marque Redken, dans la gamme Nature Rescue. Donc, c'est sans silicone et sans parabène. Qui sent... Mon ventil gargouille. Qui sent divinement bon. Ça sent trop bon. Cette gamme-là, j'adore de chez Redken. J'ai déjà utilisé le shampoing, l'après-shampoing, le masque. J'adore. Franchement, c'est tip-top comme produit. Donc là, c'est à peu près la même chose que celui-là, mais on va dire que l'effet n'est pas tout à fait le même. Bon, j'avoue qu'il apporte un peu plus de brillance que celui-là, mais il apporte beaucoup plus de volume que celui-là aussi. Là, c'est un vrai effet de plage. Alors que là, c'est un effet de plage, mais un peu plus soft, en fait. C'est au moins, ça va texturiser, ça va pas faire des ondulations de ouf comme celui-là. Ça, c'est un peu plus... C'est vraiment pour apporter du corps, du volume, de la texture aux cheveux. C'est pour ça que, en fait, je trouve que ça s'appelle spray de plage, mais... Enfin, spray au sel, mais je crois que ça fait pas trop cet effet là c'est un peu plus soft, mais que j'adore quand même. Ça, si vous voulez un vrai effet de plage, vraiment avec des cheveux très ondulés, avec du volume, etc., ça vous le fait, mais grave, ça apporte de la brillance, du volume, c'est vraiment génial. Si jamais vous avez les cheveux fins, que vous voulez du volume, je vous recommande ça. C'est, voilà, vous allez avoir la touffe de cheveux, mais dans le bon sens du terme, parce que ça a des bons... Après, faut bien maîtriser la chose, faut pas aller vous sprayer sur les racines, quoi. Faut vraiment en mettre au niveau des pointes, au niveau des longueurs, mais faut pas aller trop, sinon là ça peut faire vite casque. Mais ce produit là il est juste génial, je vous recommande aussi, donc de chez Redken, qui sent divinement bon et qui est sans silicone, donc c'est toujours un plus. Donc ça, c'est un produit que je vous ai jamais parlé, que j'adore, que j'utilise depuis très longtemps. C'est un produit que j'avais acheté chez Carrefour, donc c'est de la marque Palmer's. C'est la formule à l'huile de noix de coco, toujours la noix de coco avec moi. Donc c'est un baume de soins capillaires, hydrate et fait briller les cheveux comme ceci. Donc je l'ai acheté 5€ à Leclerc, et donc c'est une contenance de 150 grammes. En fait, vous allez voir, enfin vous allez rien voir je crois, en fait c'est un baume, donc la meuf elle va tout mettre dans ses cheveux. Donc en fait c'est un baume, donc quand vous prenez, vous voyez c'est dur, la matière elle est dure en fait, voilà. Ça fait un peu, pour ça qu'ils connaissent l'huile de coco, c'est un peu la même chose. Donc c'est pas de l'huile de coco, hein, c'est un baume de soin. Donc Je vais vous dire un peu la présentation. Donc, découvrez le secret polynésien pour obtenir des cheveux doux et brillants. Palmer's formule à l'huile de noix de coco a une structure lipidique unique qui pénètre en profondeur pour renforcer et protéger contre toute altération, lisser les cheveux et empêcher leur cassure, donner une brillance extrême. Donc, le mode d'emploi dit appliquer une petite quantité sur les pointes des cheveux propres et secs, ne pas rincer. Donc, vous avez... Vous n'avez pas que de l'huile de noix de coco, vous avez de l'huile d'olive, l'huile végétale, enfin vous avez d'autres choses. Mais alors, par contre, l'odeur. Oui, parce qu'il faut que je vous parle de l'odeur. C'est... On dirait de la barbe à papa. C'est... Moi, pour moi, ça a l'odeur de barbe à papa, bien que ce soit censé sentir la noix de coco. C'est une odeur de noix de coco, mais avec de la barbe à papa. Voilà. Ça sent divinement bon, je ne peux pas m'en passer. Je kiffe l'odeur, c'est un truc de ouf. Donc c'est un baume de soin comme ça, donc après vous prenez, vous faites chauffer sur vos doigts, ça devient comme une sorte d'huile. Et après, voilà, vous en appliquez au niveau des pointes et ça va hydrater vos cheveux, apporter de la brillance, et c'est vraiment très très efficace.
ça évite d'avoir des fourches parce que vraiment ça apporte une vraie hydratation quoi. C'est pas comme ces produits-là qui camouflent et qui donnent l'apparence mais qui font rien en profondeur. Là, ça agit vraiment en profondeur, ça pénètre sur le cheveu et ça apporte de l'hydratation et de la brillance aux cheveux. Ça enlève les frisottis. C'est vrai que des fois, avec ce qui me reste, je passe comme ça en fait au niveau de mes cheveux pour éviter les frisottis. C'est vraiment très efficace, ça graisse pas le cheveu. Après, bien évidemment, c'est un baume qui se transforme en huile. Donc bien sûr, faut pas en mettre trop. Si vous en mettez trop, vous allez avoir près des cheveux trop gras. Faut en prendre vraiment un tout petit peu et vous venez en appliquer au niveau des pointes. C'est vraiment génial. Donc 5 € à Carrefour, c'est un truc qui vous dure 10 000 ans quoi. Je l'ai bien 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 creusé, je sais pas si vous allez voir, mais je l'ai bien bien creusé et il me reste encore énormément quoi. Donc franchement j'adore ce produit. C'est vrai que c'est un produit que j'utilise pas beaucoup en été. Je l'ai acheté je crois l'hiver dernier. Mais pour cette période-là, j'adore. Franchement, il hydrate vraiment les cheveux et il apporte vraiment de la brillance aux pointes. Surtout quand on a les pointes desséchées comme moi. Voilà, ça fait, en plus comme ils sont blonds, on voit vraiment quoi, ça fait un peu effet paille. Et quand on a, et ce produit-là, en fait, il apporte vraiment de la brillance et voilà, ça fait un peu cheveux un peu plus en bonne santé quoi. Donc j'adore ce produit-là, je le recommande vraiment. Je vais poser mon ordinateur puisque là, il me saoule. Ensuite, donc, je vais vous parler d'une autre, vu qu'on est dans les huiles. C'est une huile très connue, c'est de chez Garnier, c'est la Ultra Doux Huile Merveilleuse aux huiles d'argan et de camélia qui nourrit, protège, sublime pour tout type de cheveux sans parabènes. Donc voilà, donc elle est très connue cette huile-là. Donc Garnier, on fait une nouvelle de la gamme Fructis, je crois. Je m'appelle plus, on en fait une autre. Moi, c'est la première qu'ils ont fait. Je suis essoufflée, je sais pas pourquoi. Donc, vous voyez, j'en suis à la moitié. J'adore cette huile. En fait, bon, comme vous savez, ou peut-être pas, mon huile préférée, c'est celle de chez Moroccan Oil. Pour moi, à ce jour-là, j'ai rien trouvé de mieux. Il n'y a aucune huile qui la dépasse. Franchement, cette huile-là, elle est trop géniale. Mais elle est très chère. Donc, c'est vrai que des fois, j'aime bien essayer de tester d'autres huiles qui pourraient, on va dire, m'aider à économiser l'autre. C'est ce que j'ai fait avec celle-là. Elle n'est pas aussi bien que la Moroccan Oil. Après, la Moroccan Oil, elle coûte 35 €. Ça coûte quoi? Ça coûte 10 €, 9 €, etc. Enfin, je crois que c'est 9 €, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas cher quoi, par rapport à l'autre. Donc, du coup, on ne peut pas s'attendre forcément à la même chose. Mais elle est vraiment géniale. Donc, je vais vous dire un peu la description. Donc, l'huile merveilleuse pour sublimer tout type de cheveux. Véritable embellisseur capillaire. L'huile merveilleuse ultra doux associe deux huiles de légende aux vertus multiples. Hérité des secrets de beauté des femmes marocaines, l'huile d'argan aux propriétés hautement nutritives se mêle à l'huile de camélia réputée pour son parfum délicat. Une pression suffit pour faire des merveilles sur vos cheveux. Nutrition, souplesse, brillance, protection, douceur. Donc en fait, c'est une huile qui a multi-usages. Donc c'est appliqué sur longueur et pointe, mèche à mèche. Donc vous pouvez l'utiliser avant shampoing pour une nutrition intense. Avant brushing qui nourrit, protège et facilite le coiffage. En soin quotidien, donc sur cheveux secs ou humides, sans rinçage. Ou avant l'exposition à la plage, donc pour le soleil aussi c'est plutôt pas mal. Pour protéger la fibre grâce aux filtres UV. Donc sa texture est non grasse, qui pénètre instantanément sans alourdir les cheveux. Et elle est aussi sans parabène, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc il y a 150 ml. Le prix, je m'en souviens plus parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Je crois que c'était 9 €. Ou peut-être moins. Mais je crois que c'est 9 €, je suis pas sûre. Donc ça sent super bon, ça. Voilà, ça c'est dans les vidéos comme ça, on dit tout le temps ça sent super bon, ça sent super bon. Et je confirme, ça sent super bon. Non, j'adore cette huile, elle est vraiment géniale. Je l'ai déjà testée dans toute. J'ai déjà utilisé avant shampoing, avant brushing, en soins quotidiens, avant exposition à la plage, au soleil. Donc j'ai essayé de toutes les façons possibles et inimaginables. Et elle est vraiment très efficace. Enfin, je sais pas s'il y a du silicone dedans ou pas. Enfin, bref. La plupart des huiles, de toute façon, il y en a. Mais elle est vraiment très efficace. Ça embellit vachement le cheveu. Ça les protège vraiment. Je dirais pas que ça va hydrater vos cheveux ou quoi que ce soit. Mais ça va vraiment empêcher qu'ils s'abîment plus qu'ils ne sont, en fait. Donc, ça va vraiment apporter une certaine protection aux cheveux. Et ça va vraiment les embellir. J'ai déjà utilisé avant le shampoing. C'est pas ma... Enfin, j'ai déjà fait quelques fois et c'est vrai que bon, après, vous lavez le shampoing, vous lavez les cheveux avec votre shampoing, vous reçoivez avec des beaux cheveux, etc.
Mais c'est pas. Enfin, moi, je vous conseille d'utiliser des vraies huiles, c'est-à-dire l'huile d'argan, l'huile de coco pour cet effet-là, pour vraiment les nourrir. Voilà, ça, je pense que c'est. Ça doit avoir. S'il n'y a pas écrit sans silicone, c'est qu'il doit avoir du silicone, donc c'est ça qui doit faire un bel effet sur les cheveux. Pour moi, la meilleure façon, c'est de l'utiliser sur les cheveux humides. Donc après, vous êtes lavé les cheveux, vous attendez que vos cheveux soient un peu humides, vous en prenez, vous appliquez, et après, soit vous séchez, soit vous coiffez comme vous faites d'habitude. Vous avoir les cheveux vraiment sublimés, faciles à coiffer, sans frisottis. La coupe que vous allez faire par la suite va vraiment durer plus longtemps. Et je l'aime aussi beaucoup en touche de finition. C'est-à-dire qu'après m'être bouclé les cheveux ou lisser les cheveux, j'en prends et je vais en mettre sur les pointes. Pareil, ça va sublimer. En fait, ça va vraiment leur donner encore plus que celui-là. Alors celui-là, ça hydrate pour de vrai. Ça, pour moi, je pense pas que ça va hydrater pour de vrai, quoi. Je pense que c'est un peu. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je me trompe. Mais je pense que c'est vraiment. Enfin, je pense que celui-là est quand même plus hydratant que celui-là. Mais au niveau, au fait, de l'aspect du cheveu, ça va vraiment donner un aspect comme si votre cheveu était en bonne santé. Mais vraiment, enfin là, j'en ai pas mis parce que je vous ai déjà mis 10 000 produits dans mes cheveux, je vais pas en mettre ça encore en plus. Mais ça donne vraiment un effet cheveux en bonne santé, même s'ils le sont pas, quoi. Vous avez les cheveux brillants jusqu'à la pointe, vous avez pas de fourche. Enfin, c'est vraiment un super produit, je vous recommande. En plus, c'est pas du tout gras, ça. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Comme vous pouvez voir, je suis à la moitié. Voilà. C'est devenu en fait mon alternative à ma Moroccan Oil. Voilà, comme ça, je peux stopper un peu. J'utilise ça, après, je reprends ma Moroccan Oil, etc. Mais cette huile-là, elle est vraiment géniale. J'en ai testé beaucoup d'huiles. Hein, et franchement, ma préférée, c'est celle-là. Ah oui, je voulais aussi vous parler de ce produit-là, vite fait, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est de chez Garnier Fructis. C'est un démêlant soin instantané sans rinçage. Donc, qui démêle instantanément sans alourdir, nourrit, répare et que vous pouvez utiliser quotidiennement. Donc, bon, je vais vous lire un peu la présentation. Donc, vous aimeriez démêler instantanément vos cheveux secs et abîmés tout en leur apportant une touche de soin? Répond à la question. Frottis Nutri Repair 3 îles, démêlant en soin instantané. Technologie biphase. Donc, en fait, dedans, vous avez un lait nutritif démêlant, non alourdissant, qui nourrit les cheveux et les démêle en toute légèreté. Plus vous avez un sérum réparateur riche en huile de fruits, il répare et adoucit les cheveux. Donc en fait là, j'en suis à la fin, donc vous voyez pas, mais en fait il est comme si c'est comme s'il était biphasé en fait. Vous avez deux matières, il faut secouer et après vous pitez sur vos cheveux. Donc pour vous dire, je l'ai racheté, il est là, mais je vais pas me lever la flemme. Je l'ai racheté parce qu'il me reste que ça. Donc c'est vraiment un produit génial pour démêler. En plus il y a un soin à l'intérieur et vous le sentez en fait sur vos cheveux. Donc, juste je vous dire un peu la suite. Donc, résultat, en un seul geste, parfaitement démêlé, nourri et réparé, les cheveux redeviennent soyeux, fluides et lumineux. Démêlage extra facile, sans alourdi. Donc, secouer, donc conseil d'utilisation, secouer et appliquer sur les cheveux essorés ou secs, ne pas rincer, une texture si légère qu'elle peut être utilisée tous les jours. Et ça, c'est vrai, vous pouvez l'utiliser tous les jours, vos cheveux ne vont pas graisser, ne vont pas devenir chelous. C'est vraiment génial. Vous pouvez en mettre une tonne sur vos cheveux, pareil, ça ne va pas graisser. Moi, j'y vais, hein, je fais partout et vraiment, c'est génial. Donc, ça facilite le démêlage, mais la brosse, elle glisse toute seule. En plus, il y a du soin dedans et vous le sentez. Vous avez les cheveux brillants, je sais pas, ça apporte vraiment. Enfin, vous le sentez le soin. En fait, c'est aux trois huiles. Donc, je sais pas c'est quoi les trois huiles. C'est huile de fruits, ils mettent. Mais vous le sentez. Alors, après, je sais, je passe du coq à l'âne, mais les produits Fructis, vous connaissez. Ça sent trop bon le fruit, j'adore. Voilà, donc ça démêle et ça apporte du soin à vos cheveux. Ça coûte pas cher, ça coûte 4 euros pour 150 millilitres. Moi, pour vous dire, je n'ai pas l'intention de tester un autre. J'en ai testé déjà de supermarché que j'aime bien, mais voilà, j'aimais bien. Il y en a, ça m'a pas donné envie de les racheter, par exemple. Voilà, j'en ai fini un, j'en ai testé un autre. Là, pour vous dire, ça, je pense vraiment rester qu'avec celui-là. Là, je l'ai racheté et je pense que je le rachèterai. C'est vraiment génial. Après, vous êtes lavé les cheveux, vous mettez ça, vos cheveux sont géniaux. Donc, franchement, je vous recommande ce produit-là, pas cher, que vous trouvez en grande surface. On a bientôt fini plus que 3 produits. Donc, ça, je suis bête, je voulais vous en parler avec les deux autres, mais c'est pas grave. C'est aussi un spray, c'est un spray effet retour de plage, mais il est différent des autres. Enfin, parce que pour moi, il fait pas des ondulations en fait, mais il va donner un effet un peu coiffé, décoiffé, et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc, look sauvage et sexy, donc c'est vraiment ça. Donc, c'est Beach Spray Matifiant. Je vais vous dire ce qu'il y a écrit. Donc, des cheveux texturisés,
pour un look sexy et faire retour de plage toute l'année, fini mat. Donc sa formule est faite sel de mer, apporte légèreté et volume à la coiffure, ne graisse pas et n'alourdit pas les cheveux. Donc astuce, utilisez sur cheveux secs ou humides et ébouriffez la chevelure pour lui donner de la texture instantanément. Pour des boucles wavy, enroulez des mèches au doigt. Et donc, il se présente comme ceci, c'est en forme de boule. Là, vous avez la femme qui représente. Mes ongles sont tout dégueulasses. Et en fait, il est différent des autres parce que celui-là, moi, il ne me fait pas d'ondulation comme, par exemple, celui-là. Celui-là, il fait un vrai effet retour de plage, quoi. Vous avez vraiment des vraies ondulations. Celui-là, il apporte du volume, de la brillance et de la texture aux cheveux. Donc, ça va vous faire quelques... Voilà, un peu comme... Enfin, peut-être un peu comme ça. Ça va vous faire des petites vagues, mais très, très vagues. Très, très légères, quoi. Donc, c'est un peu plus soft. Et ça, en fait, ça, déjà, c'est mat. C'est pas brillant. Donc, ça va vous donner un effet un peu plus mat. Ça dépend après, voilà, de ce que vous recherchez, etc. Mais c'est pas un mat genre cheveux terne, quoi. Ça, c'est mat, mais c'est... Franchement, ça fait pas cheveux teint, quoi. Donc ça va, ça passe. Mais ce que j'adore, c'est le look qu'il donne, quoi. Ça fait vraiment un effet coiffé, décoiffé. C'est tout ce que je dirais. Vous prenez, moi je secoue un peu mes cheveux dans tous les sens et ça donne un effet sauvage. Comme il dit sauvage et sexy, je crois que ça représente vraiment la chose. Donc j'ai déjà utilisé tout ça. Donc c'est pour dire que j'aime beaucoup ce produit-là. Donc c'est un produit de chez L'Oréal, j'ai oublié de vous le dire. Donc c'est le studio Matte & Messy. Voilà, que vous pourrez trouver dans les grandes surfaces. Moi, j'achète à Leclerc. Je ne me rappelle plus du prix, mais pareil, ça doit être 9 euros, je pense, ou peut-être moins. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que vous trouvez en supermarché, donc c'est pas bien cher. Et ça, j'adore. Donc, vous aurez compris que moi, les sprays... Enfin, c'est vrai que ça et ça... Et ça... c'est vrai qu'ils sont de la même famille, mais ils ne donnent pas le même effet. Si vous voulez un vrai effet de plage, c'est celui-là. Quelque chose qui texturise, volume... brillant, c'est celui-là. Quelque chose qui donne un look de sauvage jeune, c'est celui-là. Donc j'aime beaucoup ce genre de spray-là. C'est génial quand on ne peut pas... Moi, je ne suis pas du genre à passer 10 heures sur mes cheveux. Et c'est vrai que comme ils sont abîmés, j'essaye de ne pas trop utiliser appareil chauffant, quoi. Parce que ça abîme vachement encore plus mes cheveux maintenant qu'ils sont blonds. Donc j'essaye de trouver des produits qui m'aident à les coiffer en les laissant naturels, quoi. Donc, et les sprays, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour avoir un joli effet sans utiliser d'appareil chauffant. Donc moi, franchement, je vous recommande ce genre de produit-là. Donc là, je vais vous parler d'un produit que vous ne pouvez pas trouver en France. Il faudra passer par Internet si jamais vous êtes intéressé, bien évidemment. Donc c'est ce produit-là. Donc c'est de la marque Big Sexy Hair. Donc c'est le Blow Dry Volumizing Gel. Comme ceci. Qui se présente comme ceci. Comme vous pouvez voir, j'ai utilisé tout ça. Donc, c'est pour dire que j'aime beaucoup. Donc, en fait, c'est très, très simple. Donc, c'est un gel volumisant pour séchage aux sèches cheveux. Donc, quand on traduit le titre, ça donne ça. Donc, c'est appliqué sur les cheveux humides et coiffés aux sèches cheveux, tout simplement. Donc là, en fait, moi, ce que je fais... Donc, je ne vais pas le sortir parce que c'est comme un gel, en fait. Donc, vous en prenez un peu... Enfin, moi, je vous dis comment moi, je fais. Vous pouvez en appliquer sur toute la chevelure. Moi, je trouve pas que ce soit très intéressant. Vous en prenez. Moi, je mets comme ça sur mes doigts. Et en fait, je vais aller masser mon cuir chevelu. En fait, je vais aller en appliquer au niveau des racines. Et après, voilà, je vais me sécher avec ma brosse soufflante ou après avec un sèche-cheveux. C'est comme vous voulez. Et ça va apporter du volume au niveau des racines. Mais c'est pas un volume, je sais pas comment dire. C'est un volume, moi, c'est une expression que j'utilise beaucoup, c'est... un volume à la Victoria's Secret et pas à la Jackson 5. Vous voyez, c'est un peu ça. Si vous connaissez un peu Victoria's Secret, vous voyez ce que je veux dire. Elles ont vraiment un volume, mais vraiment bien maîtrisé, très joli. Et c'est ce que vous avez avec ça. Moi, je sais que quand je me lisse les cheveux, soit aux sèches-cheveux ou au fer à lisser, mes cheveux ont tendance à être plats au niveau des racines, quoi. Ça fait vraiment tout plat et moi, j'aime pas ça. Je sais qu'il y en a qui aiment bien le look baguette. Moi, c'est pas du tout mon délire. Moi, j'aime bien qu'il y ait du volume, de la texture aux cheveux. Et c'est vrai que quand j'utilise des fers à lisser ou autre, mes cheveux deviennent tout à plat à ce niveau-là. Et moi, j'aime pas. Donc, du coup, j'utilise ce produit-là. J'en prends, comme je le dis à l'instant. J'en mets que au niveau des racines ou par exemple à l'arrière où mes cheveux ont tendance à être vraiment très très plats.
Ensuite, donc, je fais ce que j'ai à faire et vous avez un volume qui dure toute la journée. J'ai déjà eu des compliments sur certaines vidéos où on parlait de comment je faisais pour avoir du volume. Et ben, c'était grâce à ce produit-là. Il est vraiment génial. Donc, il n'est pas bien cher. Je me souviens plus du prix. C'est 10 euros. Vous pouvez l'acheter sur Filunique, par exemple. Après, vous avez aussi d'autres. Vous avez Look Fantastique. Voilà. Il y a, enfin, je pense, c'est les deux sites, je pense, que les plus connus que vous pouvez trouver. Voilà. Je ne sais pas dans quels autres sites. Bon, après, il y a IBUS aussi, si jamais vous aimez bien commander là-dessus. Mais franchement, si vous avez des cheveux raplapla et qui voulez du volume, ce produit-là, il est vraiment génial. Par contre, il faut utiliser un sèche-cheveux avec. C'est vraiment au contact de la chaleur que ça va faire son effet. Donc, franchement, ce produit-là, pour moi, c'est vraiment un must-have aussi. Enfin, le dernier produit. Donc, une fois qu'on a tout ça sur les cheveux, on n'applique pas tout en même temps, bien évidemment. Hein, c'est. Voilà. Mais en touche de finition, une fois que vous avez fait votre coiffure, etc. Moi, je suis pas trop laque. Du coup, je vais vous parler d'une laque. Moi, je suis pas trop laque. C'est pas quelque chose que j'utilise quotidiennement. Ça va dépendre de la coupe. Ça va dépendre aussi du temps. Des fois, quand il fait pas beau, j'aime bien en mettre un petit peu pour que vraiment mes cheveux deviennent pas n'importe quoi. Difficile à gérer ou autre. Et une laque que j'aime beaucoup, c'est une laque que j'avais achetée à Dubaï. C'est de la marque Umberto Giannini. Donc, c'est la Catwalk Beauty Spray. Regardez juste le packaging déjà. Donc, je l'avais acheté chez Boots à Dubaï. J'avoue que le packaging m'a beaucoup influencé. Je ne vais pas m'étonner. C'est trop beau. En fait, vous ouvrez, vous avez deux protections. Vous avez là ça. Après, vous avez une autre encore. Voilà. Donc, elle a une petite odeur. Ça va, ça sent bon. Et pourquoi j'aime bien, c'est que en ce moment j'aime bien parce que c'est vrai que de temps en temps j'aime bien me faire des coupes un peu plus sophistiquées, pas comme j'ai aujourd'hui, mais me faire un chignon un peu, voilà, un chignon un peu ébouriffé. Enfin, j'aime bien essayer de faire quelques coiffures, etc. Moi, le problème que j'ai, c'est vrai que dans la journée, mes coiffures ne durent pas forcément parce que j'ai les cheveux un peu relous. Dès qu'il fait froid, il y a de l'humidité, mes cheveux ils vont frisoter, ils vont gonfler. Enfin, mes cheveux sont un peu relous. Et ça vraiment, ça m'aide vraiment à tenir la coupe en place, la coiffure en place. Par contre, c'est vraiment, c'est une fixation extra forte. C'est pas quelque chose de léger, quoi. Si jamais vous voulez juste un spray léger pour vite faire tenir les cheveux, c'est pas ça qu'il vous faut. Ça, c'est vraiment une fixation extra forte. Donc, eux, ils mettent for the big night out and hair to match. Cette grande soirée, etc. Donc, c'est strong, flexible, hold for a frizz-free, touchable finish. Donc, ça aide aussi pour les frisottis. Donc, il y a 200 ml. Je me souviens plus du prix. Je l'avais acheté chez Boots, mais je me souviens plus du prix. Donc, je pourrais pas trop vous renseigner là-dessus. Donc, cette marque-là, je sais pas où vous pouvez la trouver. Je pense que ça sera passé par eBay UK, peut-être. Pourrait toujours tester. Par contre, je répète, c'est pas fait pour. C'est pas quelque chose que je vais utiliser si je me lisse les cheveux ou pour la journée, etc. Moi, c'est vrai que c'est mieux pour une soirée quand vous sortez, etc. Enfin, ça va permettre d'y avoir tout en place, même si vous dansez jusqu'à 3 h du matin que vous faites la fête du samedi soir. Voilà. Donc, j'aime beaucoup cette laque. Donc voilà, donc c'était mes 10 produits coiffants préférés du moment, je le précise. Donc peut-être qu'il y en aura d'autres. Mais en ce moment, j'essaye un peu de finir mes produits. Donc voilà, je sais que j'achète plus trop de produits pour les cheveux. Là, j'essaye de finir un peu ce que j'ai. Mais en ce moment, c'est ce que j'aime utiliser sur mes cheveux. Donc voilà. Donc là, c'était la première partie donc de ma routine capillaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. J'essaierai de trouver des liens pour tous les produits que je viens de vous citer, je les mettrai en barre d'infos. Bon, après, les produits qui sont au supermarché, il faudra vous déplacer en supermarché. Mais j'essaierai de mettre des liens en dessous de cette vidéo. Je vous mettrai aussi, parce que je sais qu'on me pose des questions sur mon make-up. Maintenant, je vais prendre le réflexe de vous noter tout en bas tout ce que je porte sur le visage. Donc je vous mettrai en dessous dans la barre d'infos le détail de mon make-up, de ce que j'ai utilisé. Mes ongles, je suis désolée, hein, je sais que c'était pas très professionnel aujourd'hui. Mais en fait j'ai des paillettes sur les ongles, du coup, enfin bref. Là ça fait un moment que je les ai, donc du coup c'est en train de partir en cacahuète. Mais je vais me faire ma manucure tout à l'heure. Mais bon, vous voyez mes cheveux? Là ils sont brillants, ils ont de la texture, ils ont du volume. J'ai tout mis dans mes cheveux.
Donc voilà, donc là c'était la première partie 1, donc restez connectés pour les autres parties qui vont venir très 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 vite. Donc comme toujours, on se fait joli, on sourit et on profite de la vie. Ciao ciao les petits!